Et bonjour tout le monde, on va commencer dans les 2 minutes qui viennent, le temps que tout le monde se connecte. À 10h30, on va commencer. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire beaucoup d'erreurs. Okay? On va faire de la programmation en direct et puis on va juste essayer de résoudre notre problème et puis on va se tromper et puis on va comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à comment est-ce qu'on peut parvenir à nos fins. L'excuse biologique d'aujourd'hui, c'est d'aller revisiter une des expériences les plus importantes dans l'histoire de l'écologie, qui est l'expérience de Gauss en 1934. Gauss, ce qu'il a fait, si vous avez suivi un cours d'écologie au bac, vous avez nécessairement entendu parler de cette expérience-là. Gauss, il a fait pousser des paramécium. Sur du substrat pendant à peu près 25 jours, et puis il a fait différentes combinaisons d'espèces. Donc, il y avait celles sur lesquelles on va travailler aujourd'hui, c'est Paramecium aurelia et Paramecium caudatum. Et ce qu'a fait Gauss, c'est qu'il les a fait pousser toutes seules, ces espèces-là, donc chacune dans son milieu, ou qu'il les a fait pousser en combinaison, par deux, etc. Et le travail qu'il a fait par la suite, c'est que tous les jours ou tous les 2 jours à peu près, vous allez voir, il y a des trous dans la série temporelle. Il est allé chercher les tailles de population de chacune des espèces. Ça, c'est vraiment intéressant. On verra à la fin la conclusion qu'il a obtenue à Gauss 1934, c'est l'établissement de ce qu'on appelle le principe d'exclusion compétitive. Donc, c'est vraiment un gros morceau de théorie en écologie. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça va nous permettre de faire quelque chose qui est d'aller estimer les paramètres d'un modèle pour chacune des espèces. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, espèce par espèce, on va pouvoir estimer les paramètres du modèle pour les espèces ensemble. Donc le modèle sur lequel on va travailler, c'est celui sur lequel on avait fini pour la dernière séance de théorie, c'est-à-dire le modèle de compétition. Intra et interspécifique avec de la croissance logistique. On va voir pourquoi juste avant. Donc, avant de commencer la séance, j'ai chargé une partie des packages qu'on va utiliser et puis je suis allé prendre la figure de Gauss. Je suis allé la prendre dans un livre. Elle est dans le livre Écologie de Harper, Townsend et Begon, je pense. Et puis j'ai cliqué sur chacun des points pour extraire les coordonnées. Donc c'est pas tout à fait les vraies données. Peu importe. L'erreur qu'on a sur les données est beaucoup plus petite que l'erreur de mesure, de toute façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger nos jeux de données. Comment il s'appelle? Il s'appelle Aurelia Alone, Aurelia Mixed, Caudatum Alone, Caudatum Mixed. Donc on va aller les chercher et puis on va les mettre dans des variables. J'ai un peu fainéant ce matin, donc on va abréger les noms. Okay. Donc Aurelia alone, on va dire qu'on va aller utiliser la fonction read delimited du fichier qui s'appelle aurelia-alone.csv. En allant voir la définition de readDLM, vous verrez qu'il faut au minimum deux arguments, le fichier puis le séparateur. Donc là, le séparateur, c'est des virgules, on peut l'ouvrir ici. On a le temps ici
Et on a la taille de population ici. Et puis, ce qu'on va passer comme dernier argument, c'est le type de données. Puis là, on veut des nombres à virgule flottantes. Pourquoi est-ce qu'on veut des nombres à virgule flottantes? En pratique, si on respectait les données telles qu'elles sont écrites, on aurait le jour qui serait une variable discrète, et puis la taille de population qui serait une variable continue. Pour ce qu'on va faire, c'est pas très grave si on considère que le jour c'est un point qui a été pris à différents moments dans le temps, et le jour 1, quand j'ai cliqué sur les données, ça, pardon, le jour 2, j'ai cliqué à 2.09. C'est pas très grave, ça va pas faire une, ça fait vraiment aucune différence sur les paramètres à la fin. Ok, donc quand on exécute cette ligne-là, on est allé charger notre fichier, puis on peut vérifier qu'au jour 2.09, on avait 6.54 paramecium aurelia dans le milieu, et qu'au jour 21, on en avait 227. Donc quand on a des données, la première chose à faire, c'est principe de base dans n'importe quel projet d'analyse de données, quelle que soit sa complexité, c'est d'aller faire une figure. Et donc, à quoi ça ressemble? Donc, on va aller faire, on va aller faire un petit scatter plot. Puis, ce qu'on va mettre en premier, c'est l'ensemble des lignes pour la colonne 1. Donc, quand on travaille sur des matrices, dans Julia, c'est la même chose que dans R, sauf que pour dire tout, au lieu de mettre rien, comme on fait dans R, on met deux points. Deux points, ça veut dire du début à la fin. Donc ça, c'est le temps. Et puis, on veut voir la taille de population. On va prendre le réflexe de donner une légende à ça. On va dire qu'on veut une boîte. Et puis... qu'est-ce qu'on va faire? Ok. On va attendre que notre figure arrive. C'est la première fois, donc il faut le temps que ça compile gentiment. Parfait. Donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est est-ce que la dynamique de la population de Paramecium aurelia, elle est compatible avec un modèle qu'on connaît. On va refaire ça, et puis on va prendre la légende, et puis on va la mettre en haut à gauche. Magnifique. On va annoter nos axes. Gentiment, ok, parfait. Donc, pourquoi volume et pas taille? C'est pas le nombre d'individus, c'est une mesure du volume qui vient de la façon dont vous avez fait son expérience. En 1934, il n'y avait pas exactement de choses comme des cytomètres en flux ou des mesures de fluorescence, etc. Donc, il y avait l'approche n'était pas tout à fait la même, mais c'est exactement la même chose. Ça s'interprète comme étant une taille de population. Ok. Allons-y avec notre modèle. On commence ici à T0, on a une croissance qui est très très claire, et puis quand on arrive autour d'une certaine valeur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une stabilisation avec des légères oscillations autour de ça. Bon, les oscillations autour d'une taille de population, ça se produit très bien dans des modèles qui sont en temps discret. Les modèles en temps discret, on considère que les générations, elles sont... non-overlapping, elles vont pas se recouvrir. Par exemple, une reproduction annuelle. Ça marche très bien. Paramecium, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, la taille de population, elle va être plus courte que l'intervalle entre deux mesures. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que on va représenter ça par un modèle en temps continu. Donc, un modèle en temps continu qui se comporte de cette manière-là, on en connaît un, évidemment, et c'est le modèle de croissance logistique. Donc, on va rapidement redéfinir notre modèle de croissance logistique qui va prendre comme paramètre T, R et Q. Le temps, taux de croissance et l'intensité de la compétition intraspécifique. Notre modèle, pour l'instant, il va avoir une seule variable qui est N de T.
Je vais juste mettre le plot ici. Hop. Il faut que j'exécute les paramètres avant d'exécuter les variables. Paramètres, variables. Parfait. Les équations du modèle, bon, il y a une seule équation, alors on va l'écrire de manière un petit peu plus condensée que d'habitude. Avant d'oublier, on va définir D comme étant la différentielle de T. Et puis notre modèle, on va l'appeler une espèce. Et ça va être un ODE système dans lequel il va y avoir une équation, D de N, qui est égale à R fois N moins Q fois N fois N. Ça marche pas. Ah oui, parce que c'est. Il faut mettre un égal ici. Ok. Là, on a une série de problèmes. Et puis on va passer au travers de ces problèmes un par un pour arriver à résoudre notre objectif biologique qui est de reproduire ces points ici avec une courbe. Donc, le premier problème qu'on a, c'est que pour résoudre ce problème qui est représenté par le système d'équations différentielles, au passage, ce qu'on va faire, on va quand même aller vérifier qu'on a écrit les bonnes équations. Quand vous êtes dans le terminal de Julia et que vous utilisez using un package et qu'il n'est pas encore installé, il vous propose de l'installer directement. Ce qui est assez gentil de sa part, je trouve. Donc on va installer un package LaTeXify et on va aller vérifier qu'on a écrit les bonnes équations, juste parce que ce serait dommage de faire tout le travail qu'on s'apprête à faire en ayant écrit des équations qui ne sont pas les bonnes. Prenez toujours le réflexe d'aller vérifier que vos équations sont correctes. Donc on va prendre notre modèle, One Species, on va le passer dans LaTeXify et on va le passer dans Render. Ça va prendre un petit peu de temps pour compiler, mais normalement, ça devrait nous donner d de nt sur dt égale r fois n moins q fois n carré. Exact, parfait. Hop, on enlève. C'est bon. Donc, problème numéro 1 qu'on doit résoudre, c'est le temps sur lequel on va faire la simulation. Parce que là, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'on disait, ben, on part à 0. Et puis on arrive à 100, puis allez, on fait notre simulation. Là, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on va faire, c'est que on a des données. Donc autant travailler dans le contexte de ces données. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle extrema. Et ça va nous donner les points extrêmes de quoi, du temps qui est disponible pour les données de Paramecium Aurelia seul. Donc, on va juste le réécrire ici. Donc, notre temps ici, ça va être extrema de Aurelia alone 1. Parfait. Donc, on va faire notre simulation de 2.09 jusqu'à 21.22. Rappelez-vous que notre package d'équations différentielles, par défaut, il va faire plein de choix sur quand est-ce qu'on veut récupérer nos résultats. Ben là, on sait quand est-ce qu'on veut récupérer nos résultats. On veut les récupérer au jour 2, 3, 4, 5, on n'a pas de données, donc ça ne nous intéresse pas. 6, 7, 8, on aimerait bien les avoir. Donc, ce qu'on va définir, c'est un objet qu'on va appeler les points de sauvegarde, par exemple. Et puis, ce que ça va être, c'est simplement le temps pour lequel on a les valeurs de la taille de population de Paramecium Aurelia. Parfait. Le deuxième problème qu'on a, c'est les valeurs initiales. Puis les valeurs initiales, c'est un problème parce que si notre modèle il part de 0 ou s'il part de 200 au même pas de temps, ben, il va avoir une dynamique qui est très différente. Mais encore une fois, là, ce qu'on sait,
C'est combien d'individus on avait pour le premier point qui a été mesuré? Donc U0 pour N, ça va être la première valeur qu'il y a dans Aurélia Alone, colonne 2. On va juste vérifier ça. U0, c'est 6,54. Au passage, on peut vérifier ici dans notre fichier que pour le temps 2.09, qui est le premier pas de temps, la taille de population, c'est 6,54. Donc tout ça, c'est bon. Bon, ça, c'était la partie facile, évidemment, parce que ça, c'était la partie facile parce que évidemment, on sait comment faire. La partie qui est plus difficile, c'est d'aller chercher les paramètres. Au passage, dans Julia, on peut utiliser n'importe quel caractère Unicode comme étant un nom de variable, ce qui veut dire que c'est accepté par le langage de programmation d'utiliser un emoji comme une variable, par exemple. On va pas le faire. Il y a des gens que ça met très en colère. Moi, je trouve ça drôle. En tout cas, sachez que ça existe. Bon, les paramètres, là, on est un peu. On est un peu pris, si on n'a pas l'habitude de les estimer en regardant la courbe. Ceci dit, il y a deux choses qu'on sait. La première chose qu'on sait, c'est que c'est un modèle de croissance logistique avec un taux de croissance et un taux de compétition intra-spécifique. Autrement dit, la taille de population à l'équilibre, on l'avait calculée pendant une des premières séances. Ça va être R divisé par Q. Donc notre première information, c'est que R divisé par Q, ici, ça devrait être à peu près égal à 200. Allez. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? On avait calculé aussi pour la population, la taille de population qui donnait la croissance maximale, on savait que c'était R carré sur 4Q ou quelque chose comme ça. En tout cas, on avait fait notre calcul. On pourrait peut-être utiliser ça. On n'a toujours pas d'estimation de R. Et on n'a toujours pas d'estimation de Q ici. Bon. Donc, première chose qu'on va faire, comme d'habitude, quand on ne sait pas, on improvise. Donc, on va dire que R, c'est 0,5. Et que Q, qu'est-ce qu'on sait sur la relation entre les deux? On sait que R divisé par Q, c'est égal à 200. Donc, R, c'est égal à 200 fois Q. Autrement dit, Q, ça devrait être 200 divisé par R. Chose comme ça, c'est 200,0 divisé par 0,5. Si on fait 0,5 divisé par 400, non, divisé par 200, ça nous donne une valeur de Q à peu près qui devrait être 2,10-3, 2,5, 10-3. Bon, pourquoi pas? On n'en sait rien, c'est juste on devine. On improvise un peu et puis on va voir ce que ça nous dit. Ok, donc là on va faire un premier essai. Puis on va définir notre problème. Du coup, comme d'habitude, le problème c'est un ODE problème qui utilise le modèle qu'on appelle One Species, U0, T-span, P. On n'a pas besoin de calculer là. Oubliez ce que je viens de faire. Donc là, on va définir notre problème d'ODE. J'aurais dû runner tout ça avant pour que ça compile avant la course, c'est pas très grave. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Ok, notre problème d'ODE, on a bien des valeurs qui sont des nombres à virgule flottante. Le temps, c'est aussi un nombre à virgule flottante. On va intégrer entre 2,09 et 21,22, qui sont respectivement ce point et ce point. Et puis, on part de U0 égale 6,5. Tout ça, jusque-là, ça se passe bien. La solution de ça maintenant, ça va être solve de problème. On utilise solve directement parce que
Si on va tout là-haut, on a chargé Differential Equations et il va choisir l'intégrateur numérique pour nous. Une décision de moins à prendre. C'est très bien. Ok, on va vérifier que la solution ce soit la bonne en faisant plot de la solution. Et puis on va voir à quel point est-ce que nos données simulées, elles tombent à côté des données empiriques. Ok, bon, bah c'est super, pas ça du tout. Mais c'est pas grave. On va voir pourquoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va juste vérifier que notre modèle il est correct. De n sur dt, c'est r fois n moins q fois n carré. Ça c'est bon. Ok. Donc qu'est-ce qui peut se passer ici? Peut-être que notre taux de compétition, notre taux de compétition c'est quoi? Voyons voir. Ah bah c'est 400 parce qu'on l'a fait à l'envers, en fait, c'est pour ça. Ok, là c'est mieux, ça ressemble à quelque chose. Donc, on va réessayer. Ouais, pas mal. Bon, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus complètement à côté comme tout à l'heure parce qu'on avait fait une erreur de calcul quand on avait essayé d'estimer notre taux de compétition. Donc là, le truc évidemment, c'est que si on veut avoir une meilleure simulation de ça, il y a pas mal de choix qu'on va devoir faire. Et puis il y a une approche, qui est évidemment pas celle qu'on va utiliser, qui est d'aller changer un petit peu les valeurs de R et de Q, et puis de voir quand est-ce que ça fit, et de se dire au bout d'un moment, et c'est bon. Il me semble que c'est pas mal ça, les paramètres du modèle qui décrit la croissance de Paramecium aurelia. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va essayer d'avoir une approche un petit peu plus exhaustive. Et donc pour ça, on a besoin de se poser deux questions. Une question numéro 1, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une courbe de simulation qui correspond bien aux données empiriques. Donc là, on va aller simplifier le problème un petit peu en disant on n'a pas envie d'avoir la solution à n'importe quel moment, on a envie d'avoir la solution au point qui nous intéresse. Simplement parce que ça va nous permettre d'aller comparer les valeurs simulées aux valeurs empiriques. Et puis là, on peut vérifier quelque chose qui est que on a effectivement des points discrets, puis chaque point il est aligné avec un point qui est dans les données empiriques. Parfait. Ok. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est d'aller regarder ce qu'il y a dans solution 1. En fait, non, pardon, c'est l'inverse. La première entrée dans solution, c'est un vecteur avec 15 éléments dedans. Alors, puis on peut se poser la question, est-ce que ça a marché en faisant un scatter plot de les valeurs qu'on a observées? Et puis les valeurs qu'on vient de prédire avec notre modèle. Puis, si ça marche, on devrait s'attendre à ce que on ait une ligne qui corresponde à peu près à une relation qui soit de type 1-1. Okay. Pourquoi est-ce qu'il me donne pas le bon aspect ratio aussi? Okay. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que ben, notre relation 1-1, elle passerait par ce point-là, 50-50, 100-100, 150, 150. Donc on est en train de. On a un petit peu sous-estimé la croissance de notre modèle. Okay. Si on a sous-estimé la croissance, on pourrait se dire, bon, on va augmenter le taux de croissance, on va diminuer le taux de compétition, etc. etc. Ça nous prendra du temps de le faire. Voilà, ce qu'on va faire, c'est commencer par quantifier à quel point on s'est trompé. Donc qu'est-ce qu'on a comme élément? On a une taille de population mesurée, et on a une taille de population qui est prédite. On va la mettre dans des variables.
qu'on va appeler Ops. Donc ça, c'est notre observation. Pred, c'est notre prédiction. Je vais effacer cette figure parce qu'elle sert absolument à rien. Comment est-ce qu'on sait si Ops et Pred, c'est la même chose? Ben, on va mesurer la distance entre les deux. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une mesure d'erreur qui s'appelle le RMSE pour le Root Mean Squared Error. Donc c'est la racine carrée de la moyenne des erreurs au carré. Donc, on va créer une fonction pour ça. Okay. RMSE. Puis notre fonction RMSE va prendre deux vecteurs, x et y, pour avoir la différence, on va prendre x moins y, donc on fait la différence élément par élément. Pour avoir la différence au carré, élément par élément, on va prendre le carré de ça. Pour avoir le mean squared error, donc la moyenne de l'erreur au carré, on va prendre la moyenne de diff sq. Et puis ce qu'on va retourner, c'est la racine carrée de MSE. Le RMSE, c'est ça. On pourrait l'écrire en une ligne. Okay. J'ai juste pas envie de le faire, simplement parce que cette version-là, elle est plus lisible. Et que de toute façon, ça va être transformé en quelque chose de beaucoup plus efficace par le compilateur de Julia. Donc autant écrire un code qui est lisible. Et puis, laisser le langage faire son travail. Une chose qu'on peut faire, ici, c'est utiliser une commande qui s'appelle assert, et qui va vérifier qu'une condition est satisfaite. La condition qu'on veut, c'est qu'il y ait autant d'éléments dans x et dans y. Okay. Donc si on a 3 points observés, puis 15 points prédits, il y a un problème quelque part, et donc on ne veut pas calculer le RMSE. Ok, donc de combien on s'est trompé? On va aller quantifier notre erreur. Et en allant regarder le RMSE de l'observation et de la prédiction. Et on s'est trompé de 41,8. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on s'est trompé de 41,8. Si on se trompait de plus, ce serait pas bien. Si on se trompait de moins, ça serait mieux. Donc comment est-ce qu'on va faire pour aller optimiser cette valeur-là? Il y a, pour répondre à cette question, il y a des dizaines de méthodes. Il y a littéralement des dizaines de méthodes. On peut faire facilement 45 heures de cours sur comment est-ce qu'on optimise les paramètres d'une série d'équations différentielles. Là, ce qu'on va faire, c'est une approche qui s'appelle grid search. Donc on va faire une grille de valeurs. Les valeurs de R d'un côté, puis les valeurs de Q de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est regarder quelles combinaisons de valeurs vont aller minimiser le RMSE. Le RMSE, c'est une mesure d'erreur. Plus c'est élevé, plus l'erreur est grande. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'erreur qui est la plus petite possible. Là, on a besoin de prendre quelques décisions. La première décision qu'on va prendre, c'est quelle est la gamme de valeurs de R qu'on va utiliser. Puis là, on a vu que 0,5, ça marchait pas mal. Okay. Donc on va se dire, quelque part entre 0,8 et 0,9, c'est quoi faire des calculs, ça coûte rien. C'est pas vrai, ça coûte facturer Hydro-Québec, en tout cas, peu importe. ça coûte pas grand-chose, et donc on va aller jusqu'à 1. Et puis on va faire 50. Pas de temps. Okay. Donc on va générer 50 valeurs possibles de R entre 0,2 et 1. On va toutes les essayer. On va faire la même chose pour Q. Q, ce qu'on avait vu, c'est que c'était une valeur qui était... c'était petit, hein, c'était 2 10-3 à peu près. Quand on a des valeurs qui sont petites comme ça, surtout Q, ça vient d'un ratio. Il y a un ratio entre R et Q qui va lier à ça, à la taille de population, à l'équilibre. Dès qu'on a un ratio, ça ne vaut pas forcément trop la peine d'aller travailler sur une échelle qui est linéaire. Donc on va travailler sur une échelle log.
en disant, ben, on a vu que Q c'était... Combien on a mis déjà? 2 10 moins 3. Ok. Donc on va se dire que la valeur du taux de compétition intraspécifique, elle est entre 10 moins 4 et 10 moins 2. Et on va en faire 60. On va transformer ça direct en valeur. Okay. Donc on va aller de 0,0001 jusqu'à 0,01, quelque part au milieu, il y a notre 2, 10, moins 3. Mais on va essayer l'ensemble de ces valeurs-là. Quand on va essayer toutes ces valeurs-là, il va falloir les mettre. On peut les mettre dans une matrice, par exemple. On pourrait créer une matrice et se dire, ben. Pour chaque combinaison de i, de r et de q, on va mettre la valeur du RMSE dans la matrice. C'est pas forcément terrible parce que si on fait une matrice, on va créer un objet qui potentiellement va être assez grand. Et puis on va le remplir de plein de valeurs qui au final ne nous intéressent pas. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la combinaison de r et de Q qui va minimiser l'erreur. Donc là, on va s'économiser pas mal de travail en disant que pour l'instant, le meilleur R, ça va être R1. On sait que c'est pas vrai, mais on commence quelque part. Le meilleur Q, ça va être exactement la même chose. Et puis, la meilleure erreur qu'on a pour l'instant, on va prendre une valeur qui est super grande parce que comme ça on est sûr. On a vu qu'avec une estimation un peu avec le dos de la cuillère, on arrivait à avoir un RMSE de 41 pour ce problème-là. On va dire que pour l'instant, on sait pas, notre meilleur RMSE, on va considérer que c'est 10 000. C'est que c'est pas vrai. La valeur qu'on devrait avoir, c'est quelque chose autour de 25, 26, je pense. On devrait être rendu là. Mais ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va aller comparer. Est-ce que le RMSE de cette combinaison de paramètres, il est inférieur au meilleur RMSE qu'on a? Donc pour faire ça, on a besoin d'écrire une boucle. Okay? On a besoin de faire l'ensemble des valeurs de R, puis l'ensemble des valeurs de Q. Donc on va faire pour R dans R. Et là, la syntaxe elle est super clean. Okay? On va prendre chacune des valeurs de petit r qui se trouve dans grand R, chacune des valeurs de ça qui se trouve dans grand Q ici, et puis on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Ce qu'on va faire à l'intérieur, on a besoin d'aller calculer l'erreur qui est associée à ce choix de paramètres. Donc pour ça, on a besoin de définir. Un vecteur de paramètres okay, qui va être R et Q, on les a déjà utilisés et c'est des paramètres de modèle. Donc là, ça va être un problème parce que Julia va pas aimer qu'on renomme ça. Donc on va les appeler candidats ici. Juste parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore si c'est les bons. Mais on va les essayer. Okay, donc, la valeur de R, ça va être le candidat R. Et ici, le candidat pareil. Là, ce qu'on a besoin de faire, ben, c'est essentiellement refaire ça. Okay. Nos temps initial, final, ça ne change pas. Notre population initiale, ça ne change pas non plus. Mais on a quand même besoin de re-résoudre notre problème. On va écrire des commentaires, on va faire semblant de bien travailler aujourd'hui. Et là, à la place de P, il faut qu'on mette notre vecteur. Ah, on va l'appeler candidat, en fait, aussi. On peut l'appeler comme on veut, on peut les appeler A, B, C, on peut
peux leur donner trois emojis différents si ça nous amuse, mais le fait de leur donner des noms qui commencent de la même manière, ça nous apprend quelque chose d'un point de vue sémantique. Donc, c'est quelque chose qui commence par candidat, bah, ça va être une valeur qu'on est en train d'évaluer. Problème, solution, on va les laisser comme ça. Et là, on va calculer la valeur du RMSE. Et pareil, on va appeler ça le candidat. Comment est-ce qu'on avait calculé la RMSE? Là, on va utiliser notre fonction ici. Les valeurs qu'on a observées, c'est Paramecium aurelia tout seul, et puis la solution, la variable de la solution. Ok. Exécutons tout ça. Bon, ça marche. Et il se passe mauvaise variable. Ça marche et il se passe rien. Quand on fait la programmation, c'est pas deux déclarations qui sont contradictoires du tout. Mais on a oublié une étape. Puis l'étape qu'on a oubliée, c'est d'aller vérifier comment est-ce que cette valeur, le candidat RMSE, se compare à la meilleure valeur RMSE. Donc pour aller comparer ça, on va dire que si notre candidat RMSE est meilleur que la meilleure RMSE, donc si notre solution elle est meilleure, donc la RMSE elle est meilleure, on va remplacer notre meilleure valeur de R par le candidat qu'on était en train d'utiliser. Notre meilleure valeur de Q par le candidat qu'on était en train d'utiliser. Et très important, on va définir le nouveau record à battre, qui est la nouvelle RMSE optimale qu'on a obtenue comme étant le candidat. Je vais se mettre un petit message d'info. Voilà. Quelque chose comme ça. Ok. Donc là, à chaque fois qu'on trouve une meilleure solution, on devrait avoir un petit message qui nous dit, hey, je trouve une nouvelle solution. Voilà la meilleure combinaison de paramètres possible. On va réexécuter tout ça. Ça marche pas. C'est le moment de voir dans le chat si un ou une d'entre vous a une soudaine illumination sur pourquoi ça fonctionne pas. Vous pouvez aussi utiliser le channel vocal sur Discord. Pendant ce temps-là, je vais relire mon code, mais n'hésitez pas à partager votre solution. Ça aide de réfléchir à voix haute. Okay. Sur mon bureau, j'ai un canard en plastique. C'est juste parce que c'est un truc de programmation. On utilise ça pour expliquer le problème à voix haute à un objet. Parce que souvent, juste de parler de ce qu'on est en train d'essayer de faire, ça aide. Donc, si vous voulez devenir un meilleur programmeur, pardon, investissez dans un canard en plastique. Il y en a chez Dollarama. Ils font aussi des licornes en plastique. C'est ce qu'on utilise au labo. Et ça marche très bien. Ok, donc allons-y. Si vous trouvez la solution, faites-moi savoir. Mais pour l'instant, on va repasser ligne par ligne en temps direct. Ligne 84, inférieure ou égale. Exact. Donc là, ce qu'on a fait, c'est en disant on veut optimiser une valeur, dans ma tête, en disant on veut optimiser une valeur, donc on va prendre la meilleure valeur, donc c'est forcément plus haut. Non.
Le RMSE, c'est une mesure d'erreur. Donc, la mesure d'erreur, on veut qu'elle diminue. Et là, ce qu'on est en train de tester, c'est est-ce qu'elle l'augmente? Donc, on va essayer ce test qui est si le RMSE candidat est plus petit ou égal. Au passage, c'est un choix qu'on fait. On accepte une solution qui est aussi bonne mais différente. La probabilité que ça existe est à peu près nulle de toute façon. Et on va réexécuter ça. Ok. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que... Donc regardez, on part de la meilleure solution qu'on avait choisie, de manière arbitraire, comme étant 0.2, 0.001. Et puis on se déplace dans la grille. Et puis, la meilleure solution qu'on a au final, en fait, elle varie de moins en moins. Et puis ça finit par être à 0.673. Et puis 0.0031. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se rappeler que la programmation, c'est pas un exercice théorique, enfin que la modélisation, c'est pas un exercice théorique, c'est un exercice empirique. Et puis, on va aller appliquer le test du Goodenough. Le test du Goodenough, c'est simplement qu'on va aller vérifier à quoi ça ressemble nos données empiriques. Ok. Et ensuite, on va aller se créer un objet qui est la meilleure valeur de paramètre. R égale SR plus. Reprendre ce truc-là, ici, à la place du candidat, on va mettre le best. Allez, on va faire une jolie simulation en semant tous les 0.5 et puis on va faire un plot de la solution par-dessus. Ok. Magnifique. Ok. Superbe. On n'aurait pas pu rêver mieux. On va juste mettre la légende. Qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, ok. Top left, frame égale box, et puis c'est tout. Ok. Donc là, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux que le modèle pour lequel on avait deviné les paramètres. Okay. Puis, pourquoi? Simplement parce que on a essayé énormément de combinaisons de paramètres et on a utilisé un critère d'optimisation qui est. Est-ce que ce jeu de paramètres, il diminue l'erreur? On va juste relancer ça un petit peu en disant round on va prendre les quatre premiers chiffres et puis on va regarder la meilleure RMSE qu'on ait. Ok, juste pour être certain, là, le compromis qu'on va devoir faire, c'est est-ce qu'on veut une très bonne estimation des paramètres ou est-ce qu'on veut une estimation des paramètres rapide? Puis si on fait 50 par 60, je suis incapable de faire du calcul mental, on a 3000 combinaisons de paramètres. Imaginons qu'on veut quelque chose de plus fin. 200 fois 200, on a 40 000 combinaisons de paramètres à faire. On va faire 100 par 100, c'est bien. 100 par 100. On va relancer tout ça. On voit notre RMSE qui descend tranquillement. Et puis plus on met d'étapes intermédiaires là-dedans, plus on va avoir des chances d'aller converger vers presque exactement la valeur qu'on a. Okay, donc la RMSE minimum qu'on a, c'est de 12. Au début, on était parti de 120. Donc on a un modèle qui est 10 fois plus performant, plus prédictif en utilisant notre critère. On va refaire nos tests, ça change pas grand-chose à la dynamique. Ceci dit, c'est les vrais. Ça, c'est un petit peu plus les vrais paramètres. On va les regarder.
On va la regarder en détail, 0,6606 et 0,00298. Ouais, c'est à peu près ça que j'avais trouvé hein, quand je l'avais fait déjà. Parfait. Donc là, on a réglé un problème. Le problème qu'on a réglé, c'est est-ce qu'on est capable d'estimer les paramètres de la croissance de paramécium Aurélia? Ouais, c'est ça. La réponse est oui. Okay. Donc on va juste les mettre ici. Voilà ce qu'on va faire. Si vous voulez faire ça sérieusement, on les sauvegarderait dans un objet, vraiment, pour les réutiliser par la suite. Mais bon. 0,0098. Allez. On va rajouter. De toute façon, on a 5 chiffres derrière la virgule. Croyez-moi, ça ne change pas grand-chose. Ok. Aurélium. Bon. Une fois qu'on a fait ça, ben on va refaire la même chose pour. On peut refaire la même chose pour. Colatum. On va l'appeler. Évidemment, comme on est sérieux, on va aller vérifier que la croissance de cette bête-là correspond aussi au modèle de croissance logistique. Parfait. Passage, vous remarquerez, pas de temps différent, nombre de mesures différentes, taille de population à l'équilibre à peu près identique, etc., etc. Bon, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a plein de choses qu'on peut réutiliser. Alors, ce qu'on peut faire en fait, c'est reprendre pratiquement ça, ici. Ouais, ça c'est pas mal. On va le remettre là. Et. Non. Allez, si tu le regardes. Les courbes, elles ont l'air de se ressembler. Si les courbes, elles ont l'air de se ressembler, on peut faire l'hypothèse que les valeurs de paramètres, elles vont se ressembler. Donc, on va garder ça, 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 ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change ici? Candidate, ça reste le même. U0, ça on va le changer, c'est la première valeur de codatom alone. Et puis le temps, ça va être l'extrema de codatom alone, première colonne. Et puis là, on va sauvegarder à chaque fois que on a un pas de temps pour codatom. Ici, pareil, au lieu de calculer l'erreur sur Aurelia, on va calculer l'erreur sur codatom. Et puis on va relancer tout ça. Pourquoi est-ce qu'on recycle notre modèle? Simplement parce que notre modèle, la structure, elle n'a pas changé. Okay? C'est même dynamique, mêmes équations, on va seulement changer les paramètres. On va faire tourner tout ça. Ok. Alors. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, on va y voir. On va y aller ligne par ligne. Ça marche. Ça marche aussi. Ça, puis ça. Ça marche. Ça va. Où est-ce qu'il est notre problème? Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un petit peu de temps pour lire le message d'erreur ici. Qui nous dit. Ok. Dans l'expression qui commence à la ligne 113. L'expression qui commence à la ligne 113, elle est là. Ça veut dire que le problème, il est dans notre boucle. Okay. Et le problème, il a l'air spécifiquement d'être à la ligne 118. Donc dans VS Code, vous pouvez faire CTRL-CLIC. Et puis on va aller se mettre à la ligne 118 et regarder ce qu'on a. Bien, le message d'erreur, c'est qu'il nous dit qu'il n'est pas capable de. C'est quelque chose à voir avec la création d'un. La création d'un. D'un vecteur de valeur. Ok, donc. Bah, là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller regarder un petit peu à la main ce qu'on va mettre dans notre. Ce qu'on va mettre dans notre modèle.
Ok, ça, juste pour vérifier qu'on ne met pas quelque chose qui n'a pas rapport. Donc notre modèle One Species, ça il n'a pas changé. Il est toujours bon. On va vérifier qu'on ne met pas des pas de temps qui soient par exemple les mêmes. Non, de 2 jusqu'à 24, c'est bon. Notre modèle candidate P, ben, il n'est pas défini parce qu'il est défini uniquement à l'intérieur de la boucle, mais ça marchait la fois d'avant, donc c'est pas ça le problème. Par élimination, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Ah, ça c'est un nombre. Ce qu'il faut donner au DE problème, c'est un vecteur de valeur initiale. Okay, puis là, on lui a juste donné un nombre. Donc on va lui donner un vecteur qui est n est égal à ça. Allez vérifier ce qu'on donne aux fonctions, c'est vraiment une façon super efficace d'attraper tout ce genre d'erreur. Là, ça devrait marcher. Oui, parfait. Donc là, on relance notre processus et puis on finit par arriver sur la meilleure solution. On va aller refaire le petit test à la place de Aurélia. Ici, c'est Codatum. C'était. Parfait, c'est ce qu'on avait. Ça, c'est notre meilleur vecteur de paramètres. On va reprendre ça ici, en fait, parce qu'on a besoin des mêmes valeurs. U0, tspan. On va sauvegarder tous les 0,5. Magnifique. OK. Là, vous allez dire, ah, c'est pas super, autour du jour 5, là, on surestime un petit peu. Peut-être qu'ici, on sous-estime. L'objectif, c'est pas d'avoir un modèle qui est parfait. Okay? N'oubliez jamais que sur toute mesure d'un système biologique, il y a une incertitude. Cette incertitude, elle vient de la stochasticité du système, elle vient de l'erreur de mesure qui est faite au laboratoire. On n'a pas un modèle qui va reproduire chacun des points exactement. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui décrit. En faisant l'hypothèse que ça, c'est de la croissance logistique, qu'est-ce que le meilleur modèle qu'on est capable de créer à partir de cette méthode d'optimisation, il va nous dire. Il y a d'autres techniques, comme par exemple l'optimisation bayésienne des paramètres d'équation différentielle, qui donnent des incertitudes. Donc on aurait une enveloppe de prédiction, et probablement qu'on aurait une optimisation qui est un petit peu plus fine, mais il faudrait qu'on gère la distribution des paramètres, ou gérer les paramètres, et on n'a pas nécessairement envie de faire ça. Donc allons-y avec ça, et puis on va se rajouter ici, ça c'est Aurélia, et on va rajouter Codatum. Le taux de croissance de Codatum, mais on va aller regarder ce qu'il y a dans le vecteur d'ASP, c'est 0,7252, et puis le taux de compétition intraspécifique c'est 0,003. 5,9. Parfait. Ok. Ouf. On vient quand même de faire un truc assez intéressant qui est, on a un modèle théorique qui a juste deux paramètres, puis avec ces deux paramètres, on a reproduit le comportement d'une expérience avec des données empiriques. Okay? Donc il y a vraiment, quand je disais, il y a un lien entre l'analyse mathématique et la programmation, et il y a un dialogue entre ça. Ben le troisième intervenant dans ce dialogue-là, évidemment, c'est les données empiriques. Et on est capable de faire des exercices de modélisation, que ce soit pas uniquement des exercices théoriques. Puis là, dans les 40 minutes qui nous restent, vous allez voir exactement pourquoi. Vous allez voir à quel point on peut amener comment est-ce qu'on peut utiliser ce raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La deuxième partie de l'expérience de Gauss, comme je vous l'ai dit, donc là ça nous a pris un certain temps pour arriver jusque-là, la deuxième partie de l'expérience de Gauss, c'était de mettre Aurélia et Codatum dans le même tube et tous les jours d'aller les compter. Donc pour ça, on va aller chercher les données qui correspondent à Dataset version 2. 12, non. Qui correspondent aux cultures quand elles sont
mixte. Les deux expériences qu'on a fait jusqu'à présent, elles étaient indépendantes les unes des autres. C'était deux tubes physiques distincts dans le laboratoire. Là, évidemment, ça a été mixé, c'est le même tube. Donc, c'est le même tube. On va pouvoir représenter ces deux séries temporelles sur la même figure, parce que c'est ça qui s'est passé en vrai. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On va faire un scatter de Aurelia mixte. Que c'est pas dans le chemin, short top, right. Ouais. Alors, Aurelia MXD est pas défini. C'est juste qu'on n'avait pas exécuté, c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est la population de Aurelia Mix. Au passage, ça a changé. Avant, ça s'arrêtait à 200, maintenant, ça s'arrête à 140. On verra après pourquoi. On espère qu'on verra après pourquoi. Même chose avec Kodatum. Ça, on n'en a pas besoin. Ah. Voilà pourquoi l'expérience de Gauss était extrêmement importante au passage dans l'histoire des idées qui ont amené à l'écologie. L'écologie contemporaine, en tout cas, c'est que deux choses qui sont parfaitement tranquilles chacune de leur côté, des fois quand on les met ensemble, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre et qui la pousse à l'extinction. Donc là, ce qu'on observe, c'est le mécanisme d'exclusion compétitive de Kodatum par Aurelia. Pourquoi? Simplement parce que, simplement, on ne sait pas en fait, mais on peut faire l'hypothèse qu'on va représenter dans un modèle que elles vont être en compétition pour la ressource. Elles vont manger la même chose, par exemple, et que du coup la présence de Aurelia va avoir un impact sur la croissance de Kodatum. Et a priori, il n'y a pas de raison que la croissance de Kodatum n'ait pas un impact sur la croissance de Aurelia. Donc c'est le modèle qu'on avait utilisé la semaine dernière, dans lequel il y avait un taux de compétition interspécifique pour chacune des paires d'espèces. Il y avait alpha 1, 2, qui était l'effet de l'espèce 1 sur l'espèce 2, et alpha 2, 1, qui était l'effet de l'espèce 2 sur l'espèce 1, ou l'inverse, j'ai oublié le début de ma phrase depuis que je l'ai commencé il y a 4 secondes. C'est pas très grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est réécrire ce modèle-là. Au lieu d'avoir un modèle à une espèce, on va avoir un modèle à deux espèces. Comme on est fainéant, pardon, comme on est efficace avec le temps dont on dispose, on va aller récupérer ça. Et puis là, on a besoin d'un petit peu plus de paramètres. On a besoin du taux de croissance de Aurelia, du taux de croissance de Kodatum. Ça tombe bien, on vient de les calculer. On a besoin de leur taux de compétition intraspécifique. Ça tombe bien, on vient aussi de les calculer. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il change. C'est les caractéristiques de l'espèce quand elle pousse toute seule. Donc on met une espèce toute seule, on prend les données dont on dispose, on fait une hypothèse qui est que ces données, elles sont générées par un modèle qui a ce type de croissance-là. Et du coup, la valeur du paramètre de compétition intraspécifique, on va faire l'hypothèse qu'elle reste la même quand on va exposer notre espèce à une deuxième espèce. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? Il faut qu'on rajoute l'effet de Kodatum sur Aurelia et l'effet d'Aurelia sur Kodatum. On a besoin de plus de variables maintenant. On a besoin de Aurelia et puis Kodatum, parce qu'on va simuler la croissance des deux ensemble. Différentiel de t, ça reste. Et là, notre modèle, ça va devenir un système d'équations, par contre. Donc la dérivée en fonction du temps de Na, c'est Ra fois Na, moins la compétition intraspécifique, moins QCA fois NC fois Na. Je sais plus si on avait déjà écrit des équations, si on avait juste fait l'analyse mathématique de ce modèle-là. Si quelqu'un peut me le rappeler dans le chat, en tout cas. De toute façon, c'est
NC fois NA, et ça c'est NA fois NC. Ok. Et puis ce modèle-là, il va s'appeler ToolSketches. Parfait. Deux états, six paramètres. C'est bon. Donc deux variables, NA, NC, les paramètres, il y a un taux de croissance, un taux de compétition intraspécifique, un taux de compétition interspécifique, fois 2, ça fait 6. Notre modèle a l'air d'être à peu près paramétré comme il faut. C'est maintenant que les problèmes commencent, les vrais problèmes. Puis là, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'est que pour intégrer notre problème, on avait dit, c'est facile, ça commence au premier point expérimental, donc au temps, et puis à la quantité d'individus du premier point expérimental, et ça finit au temps du dernier point expérimental dont on dispose. Là, le problème, c'est que, on peut aller regarder Aurelia mixte, ça commence au temps 2.06. Que l'atome mixte, ça commence au point 2.03. Puis ça se finit au temps 25. Aurelia, ça se finit au temps 25, mais ils n'ont pas le même nombre de lignes. Il y a une donnée en plus pour Aurelia, une donnée en plus pour Codatum. Donc comment est-ce qu'on va gérer ce problème-là, sachant que on a un problème avec notre T0, et puis on a un problème avec notre U0 aussi. On ne connaît pas la population de... on ne connaît pas exactement la population de Aurelia et de Codatum en même temps. Il y aurait deux façons de le faire. Yep. Deux façons. Il y a dizaines de façons de gérer ce problème-là aussi. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le temps, c'est des jours. Donc on pourrait arrondir de manière à ce que ce soit un nombre entier. Et ça marche. Ça fonctionnerait. Et puis du coup, le premier, ce serait t égale 2, et puis on prendrait la taille de population à l'origine. Et puis le dernier pas de temps, serait t égale 25, et puis on prendrait la taille de population là, et puis ça alignerait exactement tous les points. Il faudrait trafiquer les données. Je n'ai pas forcément super envie de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être on va être un petit peu moins élégant et on va vivre avec ça. On va définir notre test span comme étant, on va dire 2.0. Parce que tout commence légèrement après. Et on va dire qu'on va finir à 26. Okay. Comme ça, on part un petit peu avant, on finit un petit peu après. Alors on va définir notre U0 comme étant, on va dire 2. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, je suis confortable avec cette simplification? L'erreur qu'on est en train d'introduire ici, elle est beaucoup plus petite que l'erreur de mesure, elle est beaucoup plus petite que la stochasticité. On ne pose pas de problème de travailler avec ça comme une... C'est une des hypothèses qu'on est en train d'émettre par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ces données. C'est probablement pas la pire. Vous allez voir après pourquoi. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez essayer de changer les valeurs à l'équilibre. Les valeurs initiales, il y a plein de choses qu'on peut faire. Pour le moment, on va dire ça va, c'est bien correct. Là, on a besoin de créer encore un vecteur de paramètres. Le problème de vecteur de paramètres, c'est essentiellement le même que tout à l'heure, parce que qu'est-ce qu'on avait ? On connaît R. On va les noter ici comme ça. On connaît le taux de croissance et le taux de compétition interspécifique pour Aurelia et pour Codatum. Donc ça, c'est bon. On peut les mettre directement dans notre vecteur. Ce qu'on ne connaît pas, par contre, c'est les taux de compétition pour les taux de compétition interspécifiques, donc QAC et QCA. Par contre, ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est ce truc-là. Puis là, allons-y. On va refaire ça. Là, on connaît R. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher les valeurs de R. Et on va supposer que les taux de compétition intraspécifiques puis interspécifiques, ils vont avoir à peu près le même ordre de grandeur. Il n'y a rien ici qui nous fait dire que les taux de compétition intraspécifiques, ils vont changer vraiment radicalement par rapport aux taux de compétition interspécifiques. Et de toute façon, si...
Si jamais c'était le cas, il y a de fortes chances que notre optimisation nous renvoie une des valeurs extrêmes de notre série, ce qui est en général un bon indice qu'on n'est pas allé chercher assez loin dans l'espace des paramètres. Les deux valeurs qu'on veut optimiser, c'est QAC et QCA. Et puis, comme tout à l'heure, on va leur mettre les valeurs initiales de la première valeur de Q. Donc là, on va chercher dans cette gamme de valeurs, okay, plus dans R. Et notre vecteur de paramètres candidat, bah, il est un peu plus long ici, mais c'est pas, il n'est pas super. On va juste remettre nos paramètres ici. Il y a une partie qu'on connaît. Okay, on connaît RA. On connaît QAA. On connaît RC et on connaît celui-là aussi, c'est parfait. Les deux qu'on ne connaît pas, c'est QAC et ça va être le candidat qu'on veut faire et QCA, ça va être le candidat aussi. Notre vecteur de paramètres, il est plus long ici. Mais c'est parce qu'au lieu de 2, on est passé à 6 paramètres. ODE problème, au lieu d'utiliser le modèle à une espèce, on va utiliser le modèle à deux espèces. Et ici, ben, on a dit qu'on allait prendre le U0 qu'on a défini tout à l'heure comme étant 2, 2. Et puis, on va prendre le T-span qu'on avait choisi. Et puis notre candidat ici. Bon, là on a un problème. Le problème qu'on a, c'est que il faut savoir à quel pas de temps on va sauvegarder ça. Parce que les pas de temps pour Konatoum et les pas de temps pour Aurélia, c'est pas les mêmes. Donc il y a différentes solutions qu'on peut avoir. Puis la solution qu'on va utiliser, elle n'est pas très belle. Mais elle va être efficace. On va faire la simulation deux fois. Okay? On va faire la simulation une fois en sauvegardant les pas de temps pour Aurélia. Solution Aurélia. Et on va sauvegarder à chaque fois qu'on a une information pour Aurélia. Et on va faire la simulation une deuxième fois. À chaque fois qu'on a de l'information pour Colatoum. Est-ce que c'est très grave? En théorie, oui, on est en train de faire deux fois un truc qu'on pourrait faire une seule fois. En pratique, ça va assez vite de faire cette simulation. Donc, pour ce qu'on est en train de faire, c'est pas très grave. Ça va pas avoir un effet fondamental sur le temps de calcul qu'on va passer. Là, le problème, c'est qu'il va aussi falloir qu'on prenne les bonnes valeurs. Okay? Donc, on va aller agréger nos valeurs observées et prédites. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle V4. Puis V4, ce que ça fait, c'est que ça colle des vecteurs ensemble. Les vecteurs dans Julia c'est vertical par défaut, dans R c'est horizontal par défaut, mais les vecteurs en mathématiques c'est vertical, donc dans Julia c'est vertical aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les observations. Et les observations, ça va être la taille de population de Aurélia et la taille de population de Konatoum. Parfait. Et ce qu'on a prédit, la prédiction, ça va être la solution de Aurélia et la solution de Colatou. C'est important de le mettre dans l'ordre, ok? D'abord Aurélia, ensuite Colatoum, ensuite Colatoum. Donc là, notre RMSE, c'est observer, prédit. Le candidat RMSE, tout ça on l'avait vérifié. Ah, on va juste changer ça ici. Q1C.
SQCA, SQCA. Regardez le meilleur RMSE. Et ici, QCA, best QCA, et ici c'est AC, AC. OK. Donc là, en fait, comme on avait écrit notre recherche de valeur là, sur notre grille, ça ne nous a pas pris tellement de temps d'aller modifier ça pour notre code. Et puis on va l'exécuter, et puis ça ne va pas marcher, et c'est la vie. Et on va aller le. Ah, ça n'a pas marché super vite cette fois. On va aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas. OK. Erreur d'argument. Les termes NA et NC manquent de la variable map. Est-ce qu'on a exécuté ça? Il y a de fortes chances qu'on n'ait juste pas exécuté une partie des lignes. On va vérifier ça. Là, on a NA et NC. Tout ça, c'est bon. Et on va relancer notre. Ok, là, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Donc là, rappelez-vous, notre meilleure solution, elle devrait. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, pareil, on a une erreur, donc on va lire le stack trace là, et puis l'erreur, elle nous dit il y a un problème dans RMSE, à la ligne 56. Allons voir à la ligne 56. Là, ça devient un peu le livre où tu choisis ta propre aventure. Et si tu veux aller voir dans la fonction RMSE, rends-toi à la ligne 56 qui nous dit OK. Donc, c'est là-dedans qu'il y a une erreur. Et puis, l'erreur qu'il y a, c'est une erreur d'assertion qui nous dit que la longueur de X et la longueur de Y ne sont pas les mêmes. Donc, cette condition-là, là, à la ligne 57, on avait bien fait de la mettre parce que là, manifestement, on essaie de calculer l'erreur avec des observations puis des prédictions qui ne sont pas les bonnes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on met dans observation et qu'est-ce qu'on met dans prédiction? Dans observation, on met les données empiriques sur Aurélia et les données empiriques sur Codatum. Ça, c'est bon. On peut même le vérifier si on veut. Ok, on en a 43. Parfait. Si on regarde ce qu'on met dans la prédiction ici, on va juste exécuter ça une fois pour voir. Allez, pardon, ok, on va faire candidate. Juste pour avoir des valeurs. On va exécuter notre code ici. Ok, ça marche. Donc rappelez-vous, dans observation, on avait 43 éléments, et ici, dans prédiction, on a 37 éléments. Ok, alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait 37 éléments ici? D'où ça vient? On va regarder la solution de Aurélien. Il y en a 15. Dans Aurélium mixte, il y en a 21. Dans Codatum mixte, il y en a 22. Et dans la solution de Codatum, il y en a 22. Ok, donc Codatum, ça marche. Ça, c'est bon. Par contre, Aurélia, ça marche pas. Est-ce que quelqu'un dans le chat ou dans le channel voix sur Discord aurait une soudaine illumination par rapport à ce qu'on a mal fait ici? On a fait une erreur qui est une erreur assez fréquente quand on fait du copier-coller. Et je veux juste voir si vous allez l'identifier rapidement ou pas.
Pour vous aider, le problème qu'on a, c'est que nos solutions, elles ont un nombre d'entrées qui est différent du nombre de d'entrées qu'on a dans les données empiriques. Donc, ce que ça vous suggère, c'est que quand on fait notre intégration numérique, on retourne pas le bon nombre de points. Donc, peut-être qu'on retourne pas les points au bon pas de temps, par exemple. Donc, ça vaut la peine d'aller vérifier qu'est-ce qu'on a mis comme argument pour save at quand on est en train de résoudre nos deux problèmes, celui pour Aurélia et celui pour Colatoum. Il faudrait le même nombre de patents à SaveAt. Non, il ne faudrait pas le même nombre de patents, parce qu'on n'a pas le même nombre de patents dans les données empiriques, en fait. Mais le problème, il est dans SaveAt. Et puis, on a fait une erreur très simple et qui est très difficile à attraper. À moins d'attraper notre canard en plastique. Et puis d'essayer de lui parler de ce qu'on est en train de faire. J'ai pas de canard en plastique, j'ai un carnet Fieldnote sur mon bureau. Donc pour avoir la solution ici, donc dans mon objet solution pour Aurélium, je suis en train de résoudre le problème. Et je sauvegarde à chaque pas de temps qui est dans les données empiriques de Aurélia, qui pousse toute seule. Ok, voilà l'erreur qu'on vient de faire. On a oublié de changer les patents qu'on utilisait. Et on est en train de dire retourne-moi ça à chaque fois qu'on a un patent pour Aurélia qui pousse toute seule. Mais là, c'est pas les données qu'on donne. Les données qu'on donne, c'est quand c'est mixte. Et oui, effectivement, il faut que les deux patents soient différents pour avoir les positions sur l'axe du temps dans chacune des séries empiriques. Ouais. Donc là, ça devrait fonctionner. On va juste réexécuter ça rapidement pour voir. Observation 43, prédiction 43. Allez, go, on exécute tout ça et on regarde notre RMSE. Là, il y a un truc qui devrait nous inquiéter, c'est que l'estimation du taux de compétition de A sur C n'a pas changé. Et c'est toujours la valeur minimum. On va aller voir dans notre vecteur des paramètres. QAC, candidate QAC et QCA, candidate QCA. On prend bien les deux, QCA et QAC. Ok. Dans ces cas-là, ça marche quand même. Okay, nos paramètres, ils sont pourris, mais ça marche. Donc on va faire notre test. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va reprendre nos. J'ai fait un plot, je pense, ouais, celui-là. Ok, Aurélia, Codatum. Notre meilleur vecteur de paramètres, c'est celui-là. À la place de candidat ici, on va mettre best. À la place de candidat, on va mettre best aussi. Le problème qu'on a, c'est two species. On a dit qu'on partait avec 2.0, 2.0. On va faire la simulation entre 0 et 26, peu importe. Régler notre problème ici et visualiser la solution. Ok.
Qu'est-ce qui se passe ici? Là, ça a littéralement plus rapport avec rien. Ok, donc ça a fait une petite erreur. Oh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit en train d'essayer de coller minimalement sur une des courbes, mais là, ça a juste pas rapport avec ce qui se passe dans les données empiriques. Okay. Allons voir. Et au passage, regardez notre meilleur RMSE, hein. C'est assez élevé. Okay. C'est pas plus élevé que celle qu'on avait avant, qui était de l'ordre de 10-12. Ce qui est normal, parce qu'on a un modèle qui est plus long, avec deux fois plus de données, donc de plus d'incertitudes, mais quand même. Bon, quand on a un problème d'optimisation comme ça, il y a une des solutions possibles qui est soit le modèle est mal écrit, puis là le modèle il n'est pas mal écrit dans le sens où manifestement c'est en train de nous reproduire des dynamiques qui ont l'air d'être des dynamiques logistiques. Donc on peut faire confiance à ce modèle-là, a priori. Ou il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de la validation. Donc allons voir, on rattrape notre canard en plastique. Nos jeux de données d'observation ici, on va mettre à la suite la taille de population de Aurelia Mix, donc en coculture, et de Codatum Mix. Puis pour les données qui sont prédites, on va mettre à la suite la solution de Aurelia et la solution de Codatum. Sauf que, n'oubliez pas, quand on définit notre modèle, on met NA en premier et on met NC en deuxième. NA, c'est Aurelia et NC, c'est Codatum. Donc là, ce qu'on était en train de faire, c'est donne-moi la taille de population de Aurelia dans la simulation de Aurelia et la taille de population de Aurelia dans la simulation de Codatum. Mais ce qu'on veut, c'est la taille de population de Codatum dans la simulation de Codatum. Donc on va revérifier ça tranquillement. Si on fait ça maintenant, est-ce que ça change? Oui, ça change. Nos coefficients de compétition, ils sont en train de changer. Et puis c'est plus les valeurs. C'est plus les valeurs maximum. Okay. Là, c'est un petit peu plus long que la dernière fois, simplement parce que on fait les simulations deux fois. Hein, donc ça devrait être à peu près deux fois plus long. Et arrivé à la fin, notre RMSE qui était 41, c'est devenu 25, un petit peu plus raisonnable. Et nos coefficients de compétition intraspécifiques, enfin, interspécifiques, ils sont de l'ordre de grandeur des coefficients de compétition intraspécifiques, ce qui est un petit peu plus encourageant. Donc on va refaire ça, on va refaire notre meilleur vecteur de paramètres. On va régler notre problème et visualiser la solution. Ah! Croyez-le ou non, c'est le mieux qu'on va réussir à faire. Okay. Donc là, ce qu'on a. Puis je vais vous donner le code et puis vous allez pouvoir réexécuter l'ensemble. Et puis tout le code qui reste ici, c'est le code qui fonctionne au passage. Et vous allez avoir cette figure à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on prédit comme il faut? Qu'est-ce qu'on prédit pas comme il faut? Puis comment est-ce que notre système il va se comporter si on lui donne 50 pas de temps? Donc là, ce qu'on a avec les séries temporelles dont on dispose, on arrive à suivre l'augmentation de Codatum et puis la diminution de Codatum et ça finit par s'éteindre. Ok, parfait. Qu'est-ce qui marche pas ici? Ce qui marche pas, ce qui marche sur Aurélia, c'est qu'au début on arrive à suivre l'augmentation exponentielle, mais le plateau qu'on atteint, c'est pas du tout le bon plateau. Ça a l'air que quand on a fait pousser Aurélia et Codatum ensemble, la carrying capacity pour Aurélia, elle est changée. Ça a l'air d'être deux fois après, 1,5 fois plus faible que ce qu'elle aurait été. Et là, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat-là? La réponse numéro 1, ça peut être notre code il marche pas. Un problème, notre code il n'a pas fonctionné. C'est pas ça qu'on aurait dû faire. Puis là, je peux vous dire que non, notre code il est correct. En fait,
meilleure estimation possible des paramètres qu'on aurait pu faire. La deuxième solution dans ce cas-là, c'est le modèle mathématique qu'on a choisi pour représenter ces données-là, c'est pas le bon. Et c'est effectivement ce qui se passe, simplement parce que on a fait des hypothèses dans notre modèle qui ne sont pas reflétées dans l'expérience de Gauss. Donc ce que je vous encourage à faire, on va s'arrêter là parce qu'il nous reste 5 minutes. Ce que je vous encourage à faire c'est pas urgent, mais dans les semaines qui viennent, c'est d'aller lire un petit peu sur l'expérience de Gauss en 1934. Je mettrai un lien vers différents articles qui en parlent. Et d'essayer de voir ce qu'il a fait expérimentalement qui fait que les résultats pourraient être différents. Et ça va être un exercice intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de remettre en question le modèle et de se poser la question de est-ce que notre modèle il est adapté au travail? Vous n'avez pas besoin de, c'est pas un devoir que vous allez devoir me rendre ou quoi que ce soit, mais c'est une réflexion que je voudrais que vous ayez. Qu'est-ce qui est important dans la prédiction du modèle? Donc là, on fait une prédiction qui est. Est-ce que la prédiction, c'est la taille de population de Aurélia à l'équilibre, quand on l'a fait pousser en coculture, sera un petit peu plus que 200, alors que les données empiriques ne disent pas ça? Ou est-ce que c'est de dire à peu près 40 ou 50 jours de coculture entre Aurélia et Codatum, on s'attend à ce que Codatum soit éteint dans le microcosme. Donc qu'est-ce qui est important dans le modèle? Est-ce que le fait que ça ne reproduise pas 100% des données, c'est important? Est-ce que le modèle, il nous aide à comprendre quelque chose? Et puis surtout, si on regarde les valeurs des paramètres qui sont ici, qu'est-ce que ça nous apprend sur la hiérarchie de compétition? Vous avez un devoir optionnel à faire sur quelles sont les isoclines dans ce modèle-là, où est-ce qu'elles interceptent les différents axes, et qu'est-ce que ça a l'air de vous apprendre sur la capacité de coexistence des différentes espèces. Si on mettait ces valeurs-là dans ce que vous allez trouver, est-ce que ça amène à l'exclusion compétitive d'une des espèces? Puis ça devrait être le début d'une réflexion pour vous sur à quel point est-ce qu'on a besoin qu'un modèle représente parfaitement les données pour qu'il soit utile? Quand est-ce qu'on décide qu'un modèle est inapproprié? Et puis une façon un peu extrême de se poser cette question, c'est si je vous disais, ce modèle-là, est-ce que tu l'utilises pour faire des simulations de ce qui se passe quand on met Aurélia et Codatum en coculture? Qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'important c'est que vous engagez un processus de réflexion sur quand est-ce qu'un modèle est suffisamment faux pour qu'on décide de ne pas l'utiliser, et quand est-ce qu'un modèle est suffisamment vrai pour qu'on l'utilise pour réfléchir avec. Même dans un modèle qui n'est pas parfait, il y a des choses à apprendre. Alors là, on a appris des choses sur les taux de compétition. Et on a appris des choses sur l'issue de la compétition entre ces deux espèces. Même une réponse qui est, même un modèle qui est faux peut nous apprendre des choses biologiques vraiment pertinentes. Donc je vous laisse avec cette réflexion et on se retrouve jeudi pour une séance sur les états d'équilibre. Je vous conseille de lire le chapitre 7 de Otto and Day avant de commencer. Si vous avez des questions, notamment sur la logistique de la suite du cours, quant au retour au présentiel, je vais rester un petit peu dans le canal vocal sur Discord. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.